Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa est rentré à Harare après avoir interrompu une tournée à l'étranger suite à des manifestations organisées à l'échelle nationale. Il s'est dit heureux que le pays soit calme, tout en affirmant que les Zimbabwéens devraient se concentrer sur leur travail. Les manifestations ont été déclenchées par une forte hausse des prix du carburant. La semaine dernière, la police et des militaires avaient lancé une opération à grande échelle contre des manifestants et des organisateurs présumés. Au moins 12 personnes avaient été tuées et des dizaines de personnes avaient été traitées pour blessures par balles. Environ 600 personnes avaient été arrêtées.